Une conférence gesticulée, il faut que ce soit pédagogique. Alors, on résume, d'accord. Donc, remplir son seau dans l'irresponsabilité sur le travail, ça, c'est le capitalisme. Le communisme, c'est faire le seau de la responsabilité dans le travail. Et ça, il faut réfléchir un tout petit peu sur ce que ça veut dire, responsabilité dans le travail. Là encore, pédagogie. Le travail, il a deux versants. Il a le versant courant de l'activité. C'est le travail concret qui produit des richesses, c'est-à-dire des biens et des services. Nous passons l'essentiel de notre vie éveillée en dehors de quelques activités purement physiologiques. Ça consiste à faire du travail concret. Tondre du gazon, produire des gamins à l'école, faire du café, tout ça, etc. Nous passons notre temps à faire du travail concret. Pour ça, on a des diplômes. Le diplôme, c'est la reconnaissance que la personne titulaire du diplôme est capable de faire tel travail concret. L'école, elle certifie. Et ce travail concret, la bourgeoisie capitaliste accepte que la certification de la capacité à le faire, c'est l'attribut de la personne. Il y a beaucoup à faire pour la démocratisation du diplôme, mais il n'y a pas d'obstacle politique au fait que les personnes soient diplômées dans le capitalisme. Au contraire, on va nous mobiliser pour notre travail concret, pour nos compétences, etc. Et puis vous avez une deuxième dimension du travail, qui est la valeur. Le travail en tant que production de valeur. C'est le travail dans le sens où on dit « je cherche du travail » ou « je ne travaille pas, je ne travaille plus bon, ». Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de multiplier des travaux concrets. Ça veut dire que mon travail concret n'est pas reconnu comme producteur de valeur. Je ne produis pas de valeur. Le travail en tant qu'il produit de la valeur, c'est le travail abstrait. Dans le capitalisme, il est juré par le temps de travail. Mais nous allons voir que dans le communisme, ça peut être tout à fait autre chose. Donc, réfléchir sur la responsabilité au travail, c'est réfléchir sur nos deux jambes. Et vous comprenez que pour être un irresponsable augmenté, il n'y a pas besoin de jambes. Mais en revanche, pour faire le saut au communisme, là, il faut deux jambes. La jambe gauche, c'est celle du travail concret. La jambe droite, c'est celle du travail abstrait. Et être responsable du travail, c'est être responsable du travail concret et du travail abstrait. C'est à la fois décider de ce qu'on fait concrètement. Mais le décider, pas répondre à des protocoles, pas répondre à du management. Décider au travail concrètement. Et puis, c'est décider du travail abstrait, c'est-à-dire décider de ce qui vaut. Décider du salaire, décider de l'investissement, décider de ce qui va être produit. Ça, c'est les décisions qu'on envoie au travail concret. Et être responsable du travail, c'est marcher sur ses deux jambes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un retraité dans le capitalisme ? Ben, c'est quelqu'un qui est vieux. C'est pour ça que vous avez tous ces tubes de merde des mutuelles sur comment préparer la vieillesse. Pourquoi ? Parce que vous êtes parfaitement libre de votre travail concret. Mais vous n'avez pas de deuxième jambe.
n'êtes pas reconnu comme responsable du point de vue de la valeur. Vous ne travaillez plus. Alors, vous êtes exalté comme bénévole. Oh oui. Mais vous n'êtes pas productif. Alors, si vous voulez marcher, laissez une carte. C'est pour ça que quand on est retraité, on devient vieux. Il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi est-ce qu'un patron n'est jamais vieux? Parce qu'il est toujours responsable économiquement. Vous savez, quand j'ai pris ma retraite, j'avais un voisin qui venait de la reprendre un an avant moi. Il était cadre dans la chambre de commerce. Pratiquement tous les jours, revenir avec son vélo à midi. Et quand il me croisait, il disait, mais écoutez, vous savez, il y a des profs de fac en retraite dans notre groupe de retraités qui font du vélo. Ça vous ferait du bien de faire du vélo. Bon, j'étais très urbain, toujours très gentil. Et puis quand il y avait d'autres années, je l'emmerde, je ne vais quand même pas aller me trouver à faire du vélo avec les retraités. Ça, c'était il y a 10 ans. Et puis je ne vois plus faire du vélo. Vous voyez, quand votre vie se vit dans l'irresponsabilité économique, vous vieillissez. Et le seul remède au vieillissement, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'un jeune? Ben, un jeune, il n'écoute déjà plus. Il travaille pour lui, il faut qu'il s'insère. Ah oui, il faut s'insérer. Une obligation d'insertion dans un truc qui n'est pas soi. Vous voyez, c'est ça le capitalisme. C'est nous sommes étrangers au travail. On doit s'insérer. C'est dégueulasse. L'obligation de s'insérer. On n'est pas chez soi. Le communisme, c'est quand le travail devient une expression de la personne. Parce que nous sommes reconnus, et du point de vue du travail abstrait, et du point de vue du travail concret. Qu'est-ce que c'est maintenant qu'un salarié actif dans le capitalisme? On a vu les jeunes, on a vu les vieux, d'accord? Au milieu. Alors, c'est quelqu'un qui a organisé une partie de sa jambe droite. C'est-à-dire qu'il a conquis des droits en termes de valeur, de salaire à la qualification. Donc, sa jambe droite est relativement, pas totalement, parce qu'il est irresponsable de l'investissement, etc. D'accord, hein. Mais il y a un début de conquête de la jambe droite. Mais alors, la jambe gauche, elle est tout. Rien du tout. Alors il est là comme ça. Et quand on lui dit, mais ce que tu fais, c'est de la merde, ben, il répond, je fais mon travail. Et je souffre. Vous avez aujourd'hui une inflation de souffrance au travail, avec des organisations qui sont chargées de prévenir la souffrance au travail. Ou de guérir la souffrance au travail. Ou de réparer judiciairement la souffrance au travail. La souffrance au travail, c'est un concept aussi dégueulasse que la dépression de la ménopause. L'hystérie féminine. Vous voyez, ça naturalise dans une nosographie médicale une violence sociale, toujours. C'est à ça que ça sert. Une complicité des organisations patronales et syndicales dans la gestion de la souffrance au travail, qui envoie quelque chose de très profond. Je ne m'étais pas rendu compte que Marx et Engels en a misé ça dans l'idéologie allemande. Et c'est en participant à un jury de thèse de philo à Strasbourg, il y a fin septembre, que
la thèse d'art, bien mis son nez, ce passage de l'idéologie allemande où Marx et Engels disent, en gros, hein, je résume, la bourgeoisie capitaliste est indifférente à l'utilité sociale de ce qui est fait. Indifférente. Puisque le critère de la production, le critère de la valeur, c'est pas l'utilité sociale. Ça va, hein? Vous voyez mon petit jeu avec les gens, c'est bon. Vous me direz à la fin si mes images sont bonnes, parce qu'en fait, en gesticuler, c'est censé produire quelques images utiles. Puisque donc l'enjeu du travail abstrait, c'est la mise en valeur du capital. Que ce soit en faisant du métier à tort, qui tue les gens, mais qui entretient le capital de Servier, ou je crois que ce soit de l'agro-business, qui empoisonne les sols, les paysans et les consommateurs, mais qui entretient le capital de Bayer ou de Lactalis, on s'en fout. Et ajoute Marx et Engels, j'avais jamais vu. Enfin, j'avais lu, mais j'avais pas la sensibilité. Et les travailleurs aussi, ajoute-t-il. Par ricochet. Pris dans cette définition-là de la valeur, ils deviennent indifférents à l'utilité sociale de ce qu'ils font. Non pas individuellement. Individuellement, ils vont souffrir, justement. La souffrance au travail, elle a deux raisons. Quand on regarde les enquêtes sur la souffrance au travail. Première raison, j'aime énormément mon travail concret, mais les conditions dans lesquelles on me le fait faire sont impossibles. Ça, c'est les soignants, par exemple, qui ont une très grosse souffrance au travail, dont le fondement est celui-là. Un grand amour de ce qui est fait, comme travail concret, et l'impossibilité de le faire correctement. Et puis la raison majoritaire, ça c'est minoritaire dans ce contrat, la raison majoritaire c'est ce qu'on me fait faire, c'est de la merde. Et évidemment, je ne donne pas à manger à mes enfants les poulets que je produis. Je fais des tracts sur le fait que la défense nationale ne devrait produire que des armes de défense nationale. Mais je travaille à l'arsenal de Cherbourg et je produis des armes, je sais qu'elles sont vendues à l'Arabie Saoudite. Alors je souffre. Je souffre et vous allez avoir une armée de soignants de la chance. Voilà ce que c'est qu'un travailleur actif aujourd'hui. Dans l'irresponsabilité. Et sur le travail concret, et sur le travail abstrait, en tout cas les grandes décisions, il a conquis, cela dit, des droits au salaire. Vous voyez, le communisme, c'est le fait d'être auto-organisé sur le travail concret. Ça, c'est quelque chose que les organisations syndicales, moi je suis à la FSU, n'organise pas du tout, l'auto-organisation des travailleurs pour refuser les protocoles, refuser, encore une fois, les critères de gestion imposés par le management, etc. Travailler comme on l'entend. Et puis, c'est être souverain sur le travail abstrait, c'est-à-dire définir ce qu'il vaut. Voilà ce que c'est qu'être responsable économique. Les deux dimensions de la responsabilité économique. Vous voyez que on peut être, comme les retraités, responsable du travail concret, mais sans reconnaissance de quelque travail abstrait que ce soit. Je vais vous raconter à travers une carte que m'a envoyée une de mes petites filles, un incident qui m'est arrivé. Il ne faut pas être, quand on est militant communiste, aller chercher une petite fille chez les grandes de la maternelle fin mai. Voilà la lettre que ça donne. Mon papy chéri, c'était il y a 2 ans, un peu plus, c'était fin mai, 2 ans et demi. C'est maman qui a écrit, mais c'est moi qui lui dis ce qu'elle doit écrire. Lorsque tu es venu me chercher vendredi, à la sortie des grandes de la maternelle, j'étais toute heureuse. Parce que j'aime quand c'est mamie ou toi qui venais me chercher. Et puis parce que j'étais toute fière de te montrer mon secret
le beau cadeau que j'avais préparé pour la fête des mamans. Tu ne l'as même pas regardé. Et lorsque papa est arrivé, tu as interrompu notre scrap des débutants que tu étais en train de perdre pour lui dire que tu en avais marre que les maîtresses fassent 2 mois de l'école à faire coller des nouilles sur des boîtes de fromage pour la fête des mères. Ça n'est même pas mal. Maîtresse Fabienne nous a aidé à préparer des origamis. Est-ce que tu sais ce que c'est, les origamis? C'est très difficile, et c'est très beau. Et maman a été très heureuse que je lui donne un origami représentant une licorne. Mon papy chéri, la prochaine fois, ne dis pas de mal de mon cadeau pour maman. Je t'embrasse très fort, j'embrasse aussi mamie. Pourquoi est-ce que j'ai réagi aussi vigoureusement? Je n'ai jamais aimé les cadeaux de cette démerde, évidemment, mais je suis un peu connement sacrifié à la tradition, etc. Non? Et puis là, oui, comme retraité, j'ai été humilié. Parce que je l'ai pris pour moi, oui. Le lot de consolation. Pour le travail réputé non productif. Oh, les femmes, c'est très utile. Mais c'est pas productif. Alors, il y a des lots de consolation. Il y a les grands poèmes à la gloire de la femme éternelle, à la petite chanson à la fête des mères, le bisou du conjoint, que la femme a ses codes d'accepter, en s'excusant d'avoir pas été chercher les gamins, parce que je pourrais juste les séparer, etc. La retraité, c'est pareil. Exalté pour notre utilité sociale, nié comme producteur. C'est amputer une personne que d'exalter sa jambe gauche en niant sa jambe droite. La valeur anthropologique du travail qui le constitue, et comme espèce, et comme individu, comme personne, c'est qu'à la fois en produisant de l'utilité sociale et que nous produisons de la valeur. C'est les deux. Dans la décroissance bimensuelle, bimestrielle, je prends le numéro de décembre 2017, janvier 2018. Il y a en général toute une page qui est consacrée à un témoignage de quelqu'un qui a décidé de sortir de la folie du travail concret tel que le capitalisme l'organise. Et voici le témoignage qu'il y a dans ce numéro. Il s'agit d'un diplômé d'une école de management qui a décidé de quitter Paris, après plusieurs années d'ailleurs d'activité comme cadre, et de s'installer dans un tout petit village avec un projet d'autosuffisance dans le maximum de domaines. Ils sont 6 qui ont le même profil que lui et ils témoignent. Je revendique de ne pas travailler. Le bonheur de quitter l'artifice de l'entreprise et de la ville est immense. Enfin, je suis moi-même. Enfin, je sors des mutilations de la division du travail, je maîtrise mon quotidien et les objets de mon quotidien. Le travail comme tripalium, je sais ce que c'est et je n'y reviendrai pas. Réfléchissons avec cette image des deux jambes à ce témoignage. Il ne travaille pas, c'est-à-dire qu'il récuse la valeur qu'il identifie à la valeur capitaliste. S'il y a valeur, c'est mauvais. La monnaie, c'est mauvais, le travail, c'est mauvais. Je vais vivre uniquement dans la valeur d'usage que je vais maîtriser. Pour moi,
décider de faire comme travail concret que ce qui correspond à mes déontologies, c'est une éthique communiste. Et je comprends parfaitement cette attitude sécessionniste qui gagne chez les jeunes diplômés. Nous avons maintenant, et je considère que c'est une bonne nouvelle, de plus en plus de jeunes diplômés qui sont dans la sécession, parce qu'ils veulent maîtriser leur travail concret et que l'organisation capitaliste de la valeur ne leur permet pas de le faire. Et donc, ils vivent avec le RSA et l'école avec des prestations de services qu'ils transforment en salaire dans une coopérative d'activité et d'emploi, enfin peu importe, mais ils ne sont pas dans la schizophrénie du excuse-moi, mais je fais mon travail. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas conquérir des droits moyennant l'amputation de leur jambe gauche. Ça ne les intéresse pas. Ça me rappelle mon saint patron, hein, j'ai dit gâteau de gauche, donc Bernard. Bernard, ça c'est une mandage aussi, hein, parce que Bernard, ça fait des deux hâtes qu'elle a plus, mais au début du XIIe siècle, il habite dans près de Dijon, il a 20 ans, il ne veut pas du mode de production féodal. Il va à Cîteaux. Il se présente avec 40 autres jeunes, membres de sa famille et autres. Il fait sécession. Avec une règle extrêmement stricte. On ne vit que de son travail concret. Il est interdit d'embaucher les journaliers, les paysans, etc. C'est interdit. Les moines doivent tout faire par eux-mêmes. Il n'y a pas de hiérarchie. Nous sommes dans la maîtrise du travail concret. Sauf qu'au XIIIe siècle, les cisterciens, puisque c'est l'ordre qu'il va fonder, à partir de Cîteaux, mais démarrant par Clairvaux, les cisterciens sont les plus gros propriétaires féodaux d'Europe. On n'échappe pas à la valeur. S'en sortir en niant la valeur, c'est une illusion. On va faire du logiciel libre, très bien, sauf qu'il sera récupéré par le logiciel propriétaire. On va rechercher des énergies nouvelles, sauf que dès que le business model sera trouvé, hop, il y aura un troll capitaliste, un Drahi, un île qui achète. On a trouvé un nouveau mode de distribution intéressant, un nouveau mode, un kilomètre, un dernier kilomètre de livraison. Pouf! Dès que le business model est trouvé, le capitaliste achète. Ou alors on est sur une niche qui ne dérange personne. On fait son éolienne dans le fond de son jardin, ça ne dérange pas du tout à Réva. Il faut aussi conquérir la maîtrise du travail abstrait. Donc l'éthique communiste, c'est maîtrise du travail concret, maîtrise du travail abstrait. Je vais vous faire une proposition qui justement s'appuie sur cette jeunesse dissidente décidée à maîtriser son travail concret. Comment la sortir du double risque de la marginalité à la niche ou de la récupération? Et toute la recherche et développement aujourd'hui, elle est faite par des jeunes gratos pour les groupes capitalistes qui s'emmerdent de plus à assurer la chose. C'est fait par des jeunes dissidents. Et ils récupèrent le moment venu. Donc sortir de la dissidence marginalisée ou récupérée, ça suppose qu'on s'occupe de son travail abstrait. Avec des agronomes liés à la Confédération paysanne, nous réfléchissons à une sécurité sociale de l'alimentation. L'intérêt, c'est que l'alimentation est aujourd'hui une préoccupation populaire. Autant le crime qu'il y a à mettre sur la route du fret ferroviaire n'est pas vraiment condamné, bien que ce soit un crime, aussi d'anthropologie qu'écologique, autant le crime qu'il y a à faire de l'agro-business, qui, comme je le rappelle, donc empoisonne tous les acteurs, sauf les capitalistes évidemment,
là, il est maintenant clairement dénoncé. Donc, il y a une mobilisation populaire possible, premièrement. Deuxièmement, toute la filière de l'alimentation est occupée à la marge par des alternatives. Des ingénieurs qui font des outils réparables, hein, l'outil capitaliste de Massey Ferguson, c'est pas réparable par définition. Donc, vous avez des ingénieurs qui font des outils réparables, des paysans qui produisent des biens alimentaires bruts, des biens alimentaires ensuite travaillés dans des brasseries, des boulangers, en fait, etc., alternatifs, de la distribution alternative, avec de la proximité, etc., et puis de la restauration alternative. Toute la filière est occupée à la marge par des alternatives. Mais il s'agit que ces alternatives de la marge deviennent le cœur. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que le communisme a su faire chez nous en matière de production de soins. On va faire pareil. Comment est-ce qu'on a modifié complètement la production de soins dans les années 50, 60 ? On a transformé complètement l'hôpital qui était débourroir. On a créé les CHU, on a lié l'université à l'hôpital, on a salarié l'élite du corps médical dans les CHU. Ensuite, on a fait passer les hôpitaux psychiatriques de l'aide sociale à l'assurance maladie, puis on a transformé tous les hospices, qui étaient des bourrois. Moi, j'ai l'âge d'avoir visité les hospices, je sais ce que c'était, hein, en hôpitaux locaux, avec des lits actifs partout. C'est supposé un investissement considérable qui n'est pas du tout passé par les partenariats publics-privés, l'appel marché du capital, pas du tout. On a augmenté le taux de cotisation maladie, qui était 8% du salaire brut en 45, qui est de 7% du salaire brut, le double, à la fin des années 70. Et cette socialisation de la valeur dans la hausse du taux de cotisation a permis de subventionner l'investissement hospitalier. Et les soignants n'ont pas travaillé pour rembourser une dette. Ils ont travaillé pour soigner. C'est tout autre chose. Hein. Aujourd'hui, ils travaillent pour rembourser la dette des hôpitaux. Ils soignent plus, du coup. Ils font leur travail, comme on dit, et ils souffrent. Dans les années 70, les soignants ne souffrent pas. Le travail n'est pas source de souffrance du tout. C'est d'ailleurs intéressant, parenthèse. Comme prof de sociaux, il fallait me faire si c'est des copies. Les gens se croyaient intelligents écrivant travail égale tripalia. Pas vrai. Étymologie à la con, enfin je ne l'étais pas à la con, mais je le pensais. Vous voyez, l'étymologie de travail, c'est pas du tout ça. L'étymologie de travail, c'est le travel en anglais, hein, c'est-à-dire se déplacer en franchissement d'obstacles. Voilà, c'est ça. Très belle étymologie. Déplacer. Le saut anthropologique. Et donc, mais c'est très intéressant, hein. La classe dirigeante, c'est la classe qui organise le travail, c'est-à-dire ce qui vaut dans toutes les activités. Lorsqu'une classe dirigeante n'est plus foutue d'organiser le travail d'un point de vue qui, écologiquement et anthropologiquement, soit viable, parce qu'il y a le capitaliste qui ne peut plus organiser le travail d'un point de vue écologique et anthropologique, et elle a tout intérêt à naturaliser ça en disant « mais le travail c'est de la merde, c'est de la torture ». Encore une fois, c'est ça la religion, hein, c'est naturaliser la violence sociale. La religion capitaliste elle est omniprésente dans l'État. Sauf qu'encore une fois, il ne suffit pas de maîtriser son travail concret, il faut aussi maîtriser le travail abstrait, et c'est ce que nous avons su faire lorsque nous avons complètement mobilisé une cotisation maladie qui a doublé pour subventionner l'investissement hospitalier. Du coup, ce n'était pas la propriétaire de groupes capitalistes, c'était la propriété patrimoniale de collectivités publiques à but non lucratif, et qui ne mesurait pas la valeur par le temps de travail, parce que l'objectif n'était pas de rentabiliser l'outil, qui mesurait la valeur par la qualification des professionnels, et ces professionnels étaient qualifiés en tant que personnes. C'était des fonctionnaires, ça l'est encore, en leur majorité. On a su inventer la production de 10% du PIB. La maladie, c'est, les soins, c'est 240 milliards. J'enlève les 40 milliards de médicaments, c'est resté capitaliste. Mais la production de soins, pour l'essentiel, elle est communiste, c'est-à-dire, enfin dans sa création des années 60, c'est-à-dire
des travailleurs qui ont un salaire à la qualification personnelle, une propriété patrimoniale non lucrative de l'outil, rendant possible une propriété d'usage de l'outil par les travailleurs eux-mêmes. Eh bien, nous allons faire pareil pour l'alimentation. Nous allons créer une cotisation alimentation qui va permettre d'attribuer 150 euros par mois et par personne. Sur la carte vitale, elle existe déjà. Notre carte vitale, elle sera alimentée dans la puce là, de 150 euros chaque mois et par personne. On ne pourra pas dépenser ces 150 euros à Carrefour. On ne va pas refaire la connerie qu'on a fait avec Sanofi. On ne va pas faire un marché public à des groupes capitalistes. On ne pourra dépenser ces 150 euros qu'auprès de professionnels conventionnés, comme dans l'assurance maladie, conventionnés. Des professionnels indépendants ou des professionnels dans des collectifs comme les hôpitaux. Donc, on ne pourra dépenser ces 150 euros qu'auprès de professionnels qui répondront à des critères communistes. Propriété de l'entreprise par les travailleurs eux-mêmes. Production qui a un sens quant à l'utilité sociale de ce qui est produit. Investissement sans faire appel au marché des capitaux. Vous voyez, ce genre de critères qui vont nous permettre de sortir toutes ces alternatives de la filière, de la marginalité ou de la récupération. Et mieux, on fera la nique à Carrefour et à l'agro-business. Puisqu'avec 120 milliards, on peut les marginaliser. On va faire ce qu'a fait la bourgeoisie. Elle a marginalisé la production féodale en produisant autrement. C'est simple, n'inventons pas l'eau chaude. Le communisme, encore une fois, ça s'observe. C'est le mouvement réel, nous disent Marx et Engels, encore dans l'idéologie allemande, hein. C'est le mouvement réel dans lequel, par la lutte de classe, le capitalisme accouche du communisme. C'est un mouvement réel. Dans la lutte de classe, c'est pas un accouchement comme ça, par une loi de l'histoire. Ce sont les hommes qui font l'histoire, bien sûr. Eh bien, continuons. Continuons. C'est ça la responsabilité communiste. Nous avons là des travailleurs qui sont décidés à maîtriser leur jambe gauche. Eh bien, donnons-leur l'occasion de maîtriser leur jambe droite. Ça va ? Vous voyez, pour que nous puissions exercer notre responsabilité économique, il faut que nous soyons libérés du marché du travail. Qu'on n'ait pas à quémander à un employeur le droit d'être reconnu comme travailleur. Que nous soyons propriétaires de notre salaire, parce que propriétaire est qualifié. Ça veut donc dire que de 18 ans à notre mort, chacun sera titulaire d'une qualification. À 18 ans, tout le monde aura le premier niveau de qualification et les 1800 balles, je crois qu'à 1500 balles qui vont être. Tout le monde. Quel que soit son passé scolaire, on n'est pas dans la certification, on est dans la qualification. Ça va ? La qualification, elle ne mesure pas le travail concret. Elle mesure la contribution à la production de valeur, mais c'est une mesure politique. Donc à 18 ans, on enrichit la citoyenneté. Réduite au droit de vote, la citoyenneté aujourd'hui, elle s'enfonce dans le gouffre de la pantalonnade de l'élection présidentielle, du concours de beauté quinquennale, qui sert qu'à les emmerder. Il s'agit d'enrichir la citoyenneté de la responsabilité économique. Et l'expression de cette responsabilité économique, c'est précisément le fait que nous sommes titulaires d'une qualification qui ne peut pas nous être enlevée. Quoi qu'on fasse, puisque le travail, ce n'est pas la mesure de mon activité. Ensuite, pour monter en qualification, là, il faudra montrer, bien sûr, la contribution qu'on a faite à la production au cours des années précédentes. Il y aura des épreuves de qualification, etc., etc. Dans un rapport de 1 à 3, 1 à 4, moi, ce qui me paraît pour le moins raisonnable, c'est tout le monde démarre avec un salaire à la qualification personnelle à 1500-1800 euros, et puis le maximum c'est 6000 euros
Quelqu'un qui a besoin de plus de 6 000 euros pour moi pour bosser, c'est qu'il n'aime pas son boulot. Moi. C'est pas lui de faire des trucs tellement dégueulasses qu'il faut bien payer. Ce point, c'est Madame Pénicaud, d'accord. Elle licencie 904 de Danone, il faut la payer quand même. Alors, par un délit initié, elle achète vite les actions, les stock options dont elle est porteuse. Avant le hausse du cours dont elle sait qu'il va se faire, puisque c'est elle qui fait le licenciement. C'est très bien que c'est un licenciement boursier qui va augmenter le cours des Danone. Et une fois que les actions qu'elle a achetées avant un cours bas, clairement, le cours a dépouffé, elle revend, elle empoche 1 200 000 euros. Nous sommes avec un gouvernement de voyous, bien sûr. Mais là c'est la société civile hein, qui est au gouvernement, paraît-il. Et donc. Un salaire maximal de 6 000 euros par mois paraît extrêmement cohérent. Bon, mais on peut discuter aussi de la hiérarchie des salaires, tout ça peut discuter. Mais ce que vous voyez, c'est que chacun devienne quelqu'un dans l'ordre de la valeur. Et du coup, dans la maîtrise du travail concret, parce que si c'est vous qui décidez de l'investissement, si c'est vous qui décidez la façon dont on va produire, qui décidez la construction du collectif, vous maîtrisez du coup aussi le travail concret. La maîtrise du travail abstrait est la clé de la maîtrise du travail concret. Pour le moment, qui a un salaire et la qualification personnelle? Eh bien, le tiers des plus de 18 ans ont un salaire dénoué de l'emploi, dénoué du marché du travail. Les 5 millions de fonctionnaires, la moitié des retraités, parce que j'ai dit que les trois quarts reçoivent la poursuite de leur traitement, mais si c'est très loin de votre salaire d'activité, c'est quand même pas vraiment un salaire à vie. Donc la moitié des retraités ont un salaire qui est compris entre 80 et 100% de leur salaire, on est donc à 7 millions à peu près. Ajoutez les travailleurs à statut, qui sont déconstruits de LGDF, etc., sur le modèle de la fonction publique. Et puis, dans certaines branches, la métallurgie, la chimie, la banque, les syndicats étaient en position de construire ce qu'on appelle un droit à carrière, c'est-à-dire que c'est bien le poste qui est qualifié, donc le risque de chômage existe, puisque quand si c'est le poste qui est qualifié, je peux être chômeur, évidemment. J'ai rien si j'ai pas de poste. Le chômage a son origine dans l'emploi. L'emploi, c'est le fait que c'est le poste qui est qualifié. C'est pour ça qu'on ne peut pas résoudre le chômage par l'emploi, puisque l'emploi, c'est la cause du chômage. Résoudre la question du chômage, c'est que nous maîtrisons le travail en étant titulaire de notre salaire, donc on n'est jamais chômeur, et en étant propriétaire de l'outil, donc on ne délocalise pas. Donc on est toujours au travail. Les deux dimensions du travail concret et abstrait sont là, à maîtriser par notre personne, individuellement et collectivement. Donc le tiers déjà, donc l'obsession de la classe dirigeante qui accepte que les personnes soient certifiées, c'est que les personnes ne soient pas qualifiées. Qu'elles ne puissent pas être connues dans l'ordre de la valeur. Il faut qu'on soit à poil dans l'ordre de la valeur et avec notre sceau. Donc l'obsession de la classe dirigeante, c'est d'en finir avec la déconnexion entre le salaire et l'emploi. Et vous allez avoir, mais ça suppose un aboiement pour avoir la suite, vous allez avoir deux dimensions du remplacement du salaire à la qualification personnelle par un mode de rémunération capitaliste. Ceci est une casserole. Une casserole que je me mets au cul. Non, là, il faut que vous aboyiez. Pour que je puisse revenir. Non, je reviens pas. On y va? Mais qu'est-ce que tu fais, Macron? Je te connaissais avec ton panier, d'accord, mais la casserole au cul. Ah, c'est leur revenu de base.
Ceux qui auront un trop petit panier, parce qu'ils n'auront pas pu se constituer assez de droits par leur performance sur le marché du travail ou sur le marché des biens et services, qui n'auront pas assez de tickets, ben, ils auront au moins un revenu de base, qui sera au cul pour bien montrer qu'ils sont en dette vis-à-vis de la société. Vous voyez, on ne peut pas combattre Macron par amour. C'est les deux piles de la même pièce. On ne peut pas comprendre le CPA, la contributivité absolue du « j'ai cotisé, j'ai droit », si on n'a pas tous un truc de secours, un 800 balles par mois. On ne peut pas comprendre les 800 balles par mois si on ne voit pas que c'est la condition pour qu'on n'ait plus de salaire à la qualification, mais un panier. Regardez comment, depuis Sega et Rocard, la bourgeoisie capitaliste s'est opposée à la progression considérable du salaire communiste, c'est-à-dire le salaire à la qualification personnelle, jusqu'au tiers des plus de 18 ans, et donc la possibilité que 100% des plus de 18 ans aient un salaire à la qualification personnelle, comme objectif politique majeur. L'obsession de la classe dirigeante, c'est pas ses sous, on n'a jamais un patron au portefeuille, c'est son pouvoir sur le travail. Donc il faut absolument que nous ne soyons pas reconnus comme qualifiés personnels. Il faut absolument que le salaire soit pas un attribut politique de la personne. Par quoi on va le remplacer? Eh bien, par une CSG qui finance en revenu de base. C'est Jospin qui remplace la cotisation salariale assurance maladie par la CSG. Et on construit un panier de soins financé par l'impôt. Et puis si on veut plus en matière de soins, et bien là c'est j'ai cotisé, j'ai droit. C'est la mutuelle qui a été rendue obligatoire dans les entreprises depuis l'accord CFDT-MEDEF de 2013. Dès que la CFDT en compte de MEDEF, c'est pour faire un compte. Une mutuelle, un droit lié à la performance. Et vous savez, la mutuelle, c'est j'ai cotisé, j'ai droit. C'est pas du tout le salaire à la qualification. C'est le différé des cotisations. Je cotise quand je suis en bonne santé et cette partie de mon salaire que j'ai pas dépensée, je la récupère quand je suis malade. Vous avez à la MGEN, qui est la principale des mutuelles aujourd'hui, reliés à Harmonie, etc. 82 taux de cotisation. 4 menus. Et des prestations qui sont en fonction des cotisations. J'ai cotisé, j'ai droit. En matière de retraite, nous avons, ça c'est Simone Veil, qui en 94 crée un point de CSG pour le Fonds de solidarité vieillesse. Le Fonds de solidarité vieillesse, c'est pour reconnaître de façon universelle un minimum vieillesse à 800 balles. Et puis si vous voulez plus, alors là, ça va être fonction de vos cotisations. Ça va être votre panier. J'ai cotisé, j'ai droit. Tous les régimes vont être réunis dans la GIRC-ARRCO. Chacun aura un compte. Et des droits à pension qui sont fonction des cotisations qu'il aura accumulées. Prenez le chômage, Macron continue ce que Séguin et Rocard ont continué. Prenez le chômage, Macron supprime la cotisation salariée à l'UNEDIC, le remplace par de la CSG pour faire un forfait de 800 balles, 600 balles, on ne sait pas combien, peut-être 800, parce qu'on va vers des revenus minimum à 800, universel, y compris pour les démissionnaires, y compris pour les travailleurs indépendants. Puis si vous voulez plus,
Ah, ce sera en fonction de vos cotisations. Pas de votre salaire. Le chômage, il ne va plus remplacer votre salaire. Il va être fonction de vos cotisations. J'ai cotisé, j'ai droit. C'est commencé par un autre accord au CFDT-MEDEF, puisque c'est eux qui sont à la manœuvre, sur les contre-chargeables. Ceux d'entre vous qui sont passés par le chômage connaissent ce truc. Or, depuis 2010, c'est un jour cotisé égale un jour presté, dans la limite de 2 ans. Si vous avez cotisé 20 ans, vous n'avez pas le droit à votre chômage. Hein. Dans la limite de 2 ans. Mais vous voyez, c'est j'ai cotisé, j'ai droit. Un jour cotisé égale un jour presté. Chaque euro de retraite sera le même, mais chaque euro d'épargne de retraite, enfin de compte, aura droit au même machin. Hein, vous voyez, la petite chanson à la compte Macron. D'accord, c'est pas grave. Et le contre-chargeable, c'est vous avez un emploi à 1500 balles que vous tenez 2 ans. Vous avez droit donc à des droits à chômage liés à ces 2 ans. Et puis vous êtes au chômage. Et avant d'avoir épuisé tous vos droits, vous retrouvez un emploi à 2500 balles. Puis vous retombez au chômage. Vous n'allez pas être indemnisé en fonction de vos 2500 balles. Il faut d'abord que vous épuisiez les droits que vous avez au titre de votre emploi à 1500 balles. J'ai cotisé, j'ai droit. Ça va ? Cette merde du saut anthropologique capitaliste. Regarde Macron, c'est tout pour le saut. La cotisation pour le panier, la CSG pour la casserole. Oui, l'argument consistant à dire que la cotisation c'est bon et que l'impôt c'est mauvais, hein. C'est un argument stupide. La cotisation qui vaut au panier, c'est une cotisation de merde. L'impôt qui me paye à ma qualification personnelle, c'est un très bon impôt. La CSG est un très mauvais impôt, parce qu'il me nie comme contributeur. Et il file un forfait de pouvoir d'achat. Le capital nous méprise assez pour nous filer à tous 800 balles. D'autant qu'avec 800 balles, tous ces jeunes qui sont en sécession, ils vont d'autant plus bosser. Ils le font déjà parce qu'ils sont passionnés par leur travail concret, dans l'économie collaborative, etc., etc. Avec 450 balles conditionnelles, avec 800 balles inconditionnelles, c'est pas encore pour le capital. Ils vont développer du logiciel libre qui sera récupéré par le logiciel propriétaire. Ils vont développer de la recherche et développement qui sera récupéré pour pas un rond par le capital. Vous voyez, quand on prend la totalité de la sécurité sociale et de la rémunération, nous avons aujourd'hui une entreprise en répartition, bon, je n'ai pas eu de la capitalisation, pas du tout, nous sommes en répartition, une entreprise en répartition financée par cotisation qui est totalement capitaliste. Moi, je ne défends pas la sécu. Je défends un régime général de sécurité sociale qui a été construit contre la sécu en 1946 et qui finance du salaire à la qualification personnelle. Je vous propose un autre slogan de manif. D'accord, il y en avait déjà eu un tout à l'heure, en voilà un autre. Là encore, ce n'est pas de la grande poésie, mais c'est un slogan de manif. Mais du point de vue prosodique, c'est pas mal. Regardez, à la niche Macron, start-up à la niche, bien sûr, hein. À la niche Macron, on ne veut pas ton saut, on veut du galop. À la niche Macron, 3 plus 2, on ne veut pas ton saut, 3 plus 3, on veut du galop, 2 plus 3. C'est une marguerite, ça. On est là. À la niche Macron, on ne veut pas ton saut, on veut du galop. À la niche
Macron, on ne veut pas ton seau, on veut du galon. J'aurais mieux que de manifester oui à la solidarité intergénérationnelle. Oui, Macron, t'as raison. Faut pas envoyer. Lui, ce qu'il veut, c'est de la solidarité intergénérationnelle. Un retraité, ça ne travaille pas, ça ne produit pas, ça dépense. Qu'est-ce que c'est autorisé à dépenser? Ce qu'il a mis au pot commun. Un retraité, ça relève de la solidarité intergénérationnelle. C'est un irresponsable économique qui a été solidaire et qui est vraiment défiant de solidarité. C'est un mot d'ordre extrêmement réactionnaire. C'est un mot d'ordre anticommuniste. C'est le mot d'ordre de nos manifs depuis 30 ans. C'est pour ça que nous perdons. Quand on se bat sur le terrain de l'adversaire, on perd nécessairement. Donc c'est quoi une réponse en matière de retraite au projet? C'est tous au galon, d'accord? À 50 ans, c'est déjà tard, mais enfin, il faut être plausible dans ce qu'on propose quand même, d'accord? À 50 ans, la qualification qui était celle du poste devient celle de la personne. C'est la personne qui devient titulaire de sa qualification. C'est plus son poste. Et il n'a plus besoin d'aller sur le marché du travail pour être reconnu comme productif. Et elle a 100% de son meilleur salaire net. Quand on dit 75% du brut, il y a un moment où les militants ne savent plus si c'est 75% du brut ou du net. Ce qui n'est pas du tout pareil. 100% du net, c'est plus clair. Du meilleur, c'est-à-dire celui des 6 meilleurs mois. On poursuit, on généralise l'ambition de Croizat. Et on va plus loin. On ajoute, quelle que soit la durée de cotisation. Et là, vous distribuez un tract disant, à 50 ans, tout le monde a droit à la qualification de son meilleur emploi, son meilleur salaire, à vie, quelle que soit sa durée de cotisation. Là, il faut que vous fassiez de la politique. Parce qu'il faut que vous expliquiez que ce qui est en train de se conquérir, c'est la reconnaissance que les retraités travaillent, qu'on change la définition du travail. Et que donc la valeur qui est la contrepartie de la monnaie que reçoivent les retraités, il faut toujours qu'il y ait une contrepartie en valeur de la monnaie, bien sûr, pour qu'elle ne soit pas inflationniste, c'est la valeur que produisent les retraités eux-mêmes. C'est l'actualité de leur travail qui font leur droit à pension, pas le passé de leur travail. Et donc, ce n'est pas d'anciens travailleurs, les retraités, c'est des travailleurs libérés du marché du travail. Et avec cet exemple-là, on va pouvoir se battre pour le salaire pour les étudiants. Ce sera la seule bagarre possible, la seule bagarre efficace contre la hausse des frais d'inscription assortis de prêts étudiants. Vous avez le bouquin d'Aurélien Casta, Un salaire pour les étudiants, qui est un bouquin remarquable que je vous recommande vraiment. Faites venir Aurélien Casta, pour ceux d'entre vous qui sont étudiants, ou les autres d'ailleurs. Nous pend au nez aujourd'hui, prêts aux étudiants. Il montre très bien comment en Angleterre, où les études jusqu'en licence étaient absolument gratuites, contrairement à ce qu'ils racontent, c'est ce qu'on raconte en général, c'est des études gratuites. Vous avez vu arriver, en commençant par les étudiants étrangers pour les masters, exactement ce que propose. Puis, les étudiants étrangers pour les masters vont payer. On commence par eux, c'est comme ça que ça commence en Angleterre. Et progressivement, on est passé, maintenant, la moindre université d'anglais, y compris les plus dégueulasses, et Dieu sait si ça est dégueulasse en Angleterre, nous sommes à 15 000 livres par mois, par an, je veux dire. Mais ça ne coûte rien aux étudiants qui ont 15 000 livres plus, non c'est 12 000, c'est pas 15 000, 12 000 livres plus 9 000 livres pour leurs frais, entretien. Les étudiants ont droit automatiquement à 21 000 livres de prêt. Un prêt qui est consenti par un organisme public et qui ne rembourse qu'à partir du moment où ils gagnent plus que 25 000 livres sur le supplément. Le taux de remboursement actuellement il est de 15%. Vous voyez que on peut très bien avoir ça en France, et nous aurons beaucoup de mal à le contester si nous pensons que les étudiants sont de futurs travailleurs qui doivent s'insérer et qui acquièrent par leurs études
de quoi avoir un supplément de salaire, et c'est ce supplément de salaire qu'ils pourront rembourser les prêts. On ne pourra rien mettre ce truc-là. Si on ne se bat pas pour sortir le salaire de l'emploi, l'attribuer aux personnes, et faire une bataille politique sur le fait que, d'un point de vue anthropologique, nous sortons de la préhistoire et nous posons que le travail n'est pas étranger à nos personnes et que ça doit s'exprimer dans un droit politique au salaire dès 18 ans. Pareil pour les chômeurs, pareil pour tout le monde, d'accord? Et qu'est-ce qu'ils vont faire ces retraités de 50 ans? Bien, ça suppose qu'ils font un travail politique, ils ne vont pas être assez cons pour mettre leurs compétences au service de groupes de boîtes capitalistes qui n'auront pas les payer puisqu'ils le sont par la caisse des retraites. Ils vont pas faire ce cadeau-là. Ils vont, et il faudra que le service public de l'emploi les accompagne à cette affaire, ils vont mettre leur travail concret, eux qui ont un salaire à la qualification personnelle, indépendamment des marchés du travail, ils vont mettre leur travail concret au service des boîtes alternatives, au service de la production communiste. Imaginez que tous les plus de 50 ans désertent les boîtes capitalistes parce qu'ils ont un salaire lié à leur personne et entrent dans la production, dans des boîtes qui sont la propriété de leurs salariés, dont le financement est assuré par la subvention, dont la production a un sens. Il y a une telle lassitude des plus de 50 ans vis-à-vis de la merde qu'ils produisent que s'ils ont cette opportunité, ils vont le faire, bien sûr. Vous voyez, quand on devient communiste, on devient très imaginatif. C'est passionnant, le communisme. Sauf que ça m'a amené à recevoir le courriel d'une bénévole blessée. Je suis ça au printemps dernier. Bonjour. J'étais avant-hier au débat organisé à Arcachon par les Amis du Monde Diplomatique. Et c'est par eux que j'ai obtenu votre adresse. J'ai été très heureuse d'entendre un discours mobilisateur qui tranche avec les déplorations habituelles. Mais si je prends la liberté de vous écrire, c'est parce que le débat ne m'a pas permis de dire mon désaccord avec un point que vous avez abordé en fin de réunion, celui du bénévolat. Quand vous avez dit que vous préféreriez que les retraités, au lieu de faire du soutien scolaire, des restos du cœur, d'autres activités bénévoles, s'engagent avec toute leur expérience professionnelle dans l'activité marchande d'entreprise non capitaliste, j'ai été profondément blessé. Qu'est-ce qui vous autorise à mépriser ainsi celles et ceux qui, comme moi qui suis au secours catholique, mais il aurait pu être au secours populaire, hein, au reste du cœur, et que moi qui suis au secours catholique, consacre du temps à la solidarité. Vous croyez qu'il n'y a pas besoin de soutien scolaire ou de distribution alimentaire chez des enfants de familles en grande difficulté ou pour les migrants? Quel curieux rôle jouez-vous en ajoutant votre pierre aux tracasseries que connaissent des ONG de moins en moins soutenues par la puissance publique et au mépris, certes poli, mais si présent, que les salariés de ces ONG nous manifestent à nous les bénévoles. Et je n'ai pas été blessé. Je suis scandalisé. Car enfin, si je vous comprends bien, vous vouliez qu'au lieu d'être bénévole, les retraités aient un emploi. Mais c'est justement ce qu'ont voulu Balladur-Moufillon, est-ce que veut Macron? Faire baisser les pensions de retraite, l'encourager au cumul emploi-retraite. Chapeau pour un communiste, comme vous dites l'être. J'ai conscience que mon temps est vif, mais c'est à la hauteur de ce que j'espère être une provocation de votre part. J'ai vu que vous aimez provoquer, j'aime ça moi aussi, mais pas toujours. Bien là. Bon, alors d'abord, il y a un contresens, d'accord? Il ne s'agit pas du tout d'un cumul emploi-retraite, j'ai bien précisé. Il ne s'agit pas d'être assez con pour aller faire un emploi chez ceux qui ne vous y travaillent, bien sûr. Et puis on n'est pas payé en plus, on est déjà payé par sa retraite, on ne va pas aller en plus par ce qu'on fait. Encore une fois, on n'est pas payé pour ce qu'on fait, on est payé pour ce que l'on est dans l'ordre de la valeur. On n'est pas bénévole non plus puisqu'on est payé. Ça suppose évidemment que la pension soit 100% du meilleur salaire. Mais il faut revenir sur cette question, est-ce qu'il n'y a pas des besoins de solidarité?
Et là, je vais faire part d'une expérience très récente. C'était il y a 2 jours, à Mourinx, vous savez, c'est une ville qui a été construite de toutes pièces, à côté de Lac, pour accueillir les salariés d'Elfe Aquitaine dans les années 50. Et une vie associative très riche, et un cinéma qui organise des débats et des documentaires. Le documentaire, c'était « C'est quoi ce travail ?» Un très beau documentaire qui filme à la fois des ouvriers et des musiciens dans une usine de PSA à Saint-Ouen. C'est une usine vraiment de travail usinier, avec des salariés qui, beaucoup ont été licenciés d'Aulnay, sont là dans une boîte dont il n'est pas sûr qu'elle va rester encore très longtemps en vie. Le matériel a l'air quand même assez ancien, même s'il est très bien affectionné. C'est pas une chaîne, ils travaillent à leur rythme, mais ils ont une obligation de produire 800 000 pièces par jour, donc c'est pas de la rigolade. Et il y a un musicien qui est en résidence pendant 2 ans pour construire un opéra. Un opéra qui va être interprété par des musiciens professionnels pour la partie instrumentale, par des choristes professionnels pour la partie chant. Une musique qui est construite à partir des bruits de l'usine, c'est une musique qui rend hommage à tous les bruits de l'usine, et des récitants qui sont les ouvrières et ouvriers de l'usine. Le concert, on le voit, l'opéra est donné à la fin du film dans l'usine là, avec toutes les familles qui sont là. Et ce film n'est pas un film qui pose le travail usinier comme source d'aliénation et de souffrance. C'est un travail usinier, c'est un travail qui comporte une part répétitive, etc., par des gens qui n'ont pas tous choisi d'être là, et en même temps, la personnalité de ceux qui tiennent ces postes est exceptionnelle, et pour peu qu'on la respecte, pour peu que celui qui les regarde et les filme la respecte, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas aliénés, qu'ils ne sont pas victimes de l'ultime. Et que si l'usine est dirigée par eux, ça marcherait du feu de Dieu. Sauf que c'était un public militant. Public militant, vous voyez, Parti communiste, France insoumise, NPA, ANAR, CGT, Solidaire, FSU. On en a peut-être un peu, mais enfin bon, un minimum de diplôme, après. Ceux qui se sont exprimés ont détesté ce film. Ils ont détesté le film avec 3 types de réactions. Ceux qui se sont exprimés. Les autres, peut-être qu'ils approuvaient la lecture que je faisais de ce film. Ça, je ne sais pas. Et ceux qui l'ont contesté assez vigoureusement, l'ont contesté avec 3 types d'arguments. 1, le travail usinier, c'est de la merde. Il faut le supprimer. C'était porté par des alternatifs qui, de fait, ne sont pas à l'usine, entendent bien ne pas l'être, et entendent supprimer les usines. Vous avez eu un 2e type de réaction. C'est des militants syndicalistes et politiques présents dans l'usine ou plutôt pas dans l'usine. Il n'y avait aucun, aucun n'était présent dans cette usine-là, évidemment, mais et qui disaient pas du tout. Les ouvriers sont des aliénés. Ce sont de l'usine aliène. L'usine exploite, l'usine empêche toute expression. Et d'ailleurs, dans la permanence syndicale, les gens viennent pleurer. Alors, que font ? Peut-être même que c'est les patrons qui ont choisi les gens qui ont été filmés. Et puis, il y a une 3e réaction d'une poétesse qui fait des ateliers d'écriture dans le coin, qui avait dit à l'avance, est-ce que je pourrais dire un des poèmes ? Ben, j'avais dit, oui, bien sûr, oui. Elle a dit son poème, c'était, moi je ne regarde pas la télé, je ne vais pas chez Carrefour, et du coup je suis incompris parce qu'autour de moi, il n'y a que des cons qui regardent la télé. Qu'est-ce que vous en pensez, qu'elle me dit, imprudemment. Ben, je lui dis, c'est méprisant. C'est ce qui fait qu'on dit que les gilets jaunes, c'est des cons, manipulés par les patrons, ou par
par le Front National. Et puis le type dans la permanence du bureau des fleurs. Il a pas aimé quand j'ai dit qu'on a renoncé à être révolutionnaire, on devient solidaire de victimes. Il n'y avait pas un seul mot pauvreté dans les tracts de la CGT des années 50. On ne voyait jamais le mot pauvreté, lutte contre la pauvreté, rien de tout ça. La solidarité de celui qui a vers celui qui n'a pas, c'est dégueulasse. Parce qu'on définit l'autre par son manque. Définir l'autre par son manque, c'est faire une violence incroyable. Discuter pendant une heure avec deux jeunes, comme j'ai eu l'occasion de le faire, peut-être tous d'entre vous avez eu l'occasion de le faire, bien sûr, avec deux jeunes Guinéens, un qui était linguiste, l'autre qui était paysan, des profils très différents. Un qui est passé par la Mauritanie, l'autre par la Libye, un an et demi chacun. Assez rapide, lorsqu'ils sont à Nice, alors leur année et demie, ce n'est pas des victimes, ces gens-là, c'est des héros. Les qualifier de victimes, c'est dégueulasse. Vous savez, catho de gauche, je médite souvent sur ce passage de l'évangile de saint Marc qui se situe la veille de la crucifixion de Jésus. Jésus sait qu'il va être tué parce qu'il sait qu'il affronte et les familles qui tiennent le temple, donc les familles aristocratiques de la religion, mais qui ont aussi le pouvoir économique, parce que le pouvoir religieux et économique se confondent à l'époque, et puis Pilate, le pouvoir politique, qui va se couler dans ce que veut le pouvoir économique. Il le sait. Et alors arrive une femme qui verse sur ses pieds un flacon de grand prix. Et alors les apôtres qui sont là, la rabrouent en disant « Enfin, ça vaut 300 deniers. 300 deniers, c'est une fortune. Qu'on aurait pu donner aux pauvres. » Et la réflexion de Jésus est absolument cinglante. Des pauvres, vous en aurez toujours parmi vous, parce que vous en avez besoin. Moi, je vais mourir parce que j'affronte les puissants. Et d'avance, elle a parfumé mon corps pour sa sépulture. Quand on a renoncé à changer le mode de production et affronter les puissants, on devient solidaire de pauvres. Le communisme se construit en changeant la solidarité. Non pas la solidarité de celui qui a vers celui qui n'a pas, ça c'est la solidarité capitaliste. La solidarité de ceux qui se serrent les coudes pour changer le travail et donc la société. Donc, je maintiens que les retraités ont mieux à faire que d'être solidaire, de victime. Alors, il n'a pas aimé le militant. Il était dans mon parti, le Parti communiste. Il n'a pas aimé. Et pourtant, il faut le dire. Parce que l'inaudibilité du Parti communiste, l'inaudibilité de toute la gauche de gauche sur le fond, vient de ce qu'elle a troqué. La résistance aux puissants en vue de construire une alternative, elle a troqué ça contre la solidarité des victimes. Si nous nous battons pour changer le travail, mais changer la valeur, changer la jambe droite, de sorte que ce ne soit plus le temps de travail qui mesure la valeur, dès lors que nous ne soyons plus dans la folie capitaliste qui élimine le travail vivant en permanence. Élimination du travail vivant au bénéfice du travail mort. Avec l'empreinte écologique formidable que ça représente.
pour faire 600 000 pommes de merde, il faut un paysan et puis plein de machines. Un agriculteur et fenaisseur, plein de machines. Pour faire 12 000 pommes qui auront la même valeur nutritive que les 600 000, il faut 4 paysans. On produit infiniment moins. La valeur de ce qui est produit peut être supérieure puisqu'il y a 4 travailleurs vivants au lieu d'un seul. Produire moins de trucs inutiles, c'est pas de la décroissance. Pas du tout. C'est produire moins de richesse. Et produire moins de richesse, ça ne veut pas dire produire moins de valeur. Si nous augmentons le travail vivant, nous augmentons la valeur. Sortir du capitalisme, c'est faire une production qui est fondée sur le travail vivant. Si nous voulons sortir de l'agro-business, il faut infiniment plus de travailleurs dans l'alimentation qu'aujourd'hui. Et nous produirons moins. Actuellement, l'agro-business produit de quoi nourrir 12 milliards de personnes. 12 milliards. Et 1 milliard des 8 milliards de la population ne mange pas à sa faim. Le tiers de ce qui est produit est gâché. Pire, il va à l'aide alimentaire, cette saloperie qui permet à l'agro-business de se défiscaliser. Parce que tout ce qui va à l'aide alimentaire, c'est autant d'impôts payés en moins. C'est répugnant, les restos du cœur. La banque alimentaire. Quand est-ce qu'on va en sortir de tout cela? Quand est-ce qu'on va devenir ensemble communistes? Quand est-ce qu'on va entrer dans le présent éternel de la solidarité, de la révolution? Aragon toujours, le fou d'Elsa, je nomme présent ta présence. T'es culotté, hein? Je nomme présent. Entre le songe et la mémoire, nuit et jour s'y contrebalancent, s'y limitent dormir et voir. Je n'ai mémoire que d'absence ou passé, que de désespoir. Tout ce qui fut, je le repense à partir de toi, pour miroir. Et j'imagine à ta semblance un avenir pour t'y savoir. Je n'ai rêve que d'espérance, je n'ai qu'amour à demain croire. Aimer n'y sera plus démence, et ce sera notre pouvoir contre la mort qu'être romance aux amants d'après notre soir. J'ai écrit les mots finaux pour être fidèle à ce que je veux dire. Je veux décider au travail jusqu'à ma mort, parce que je veux mourir jeune. Je refuse que l'irresponsabilité économique me fasse devenir vieux. Je ne veux pas avoir un seau rempli du panier et de la casserole. Et je ne veux pas devenir un seau rempli des puces de l'irresponsabilité augmentée. Je veux faire le seau de la responsabilité économique qui m'inscrit dans le présent éternel de l'agir communiste. Je veux marcher sur mes deux jambes du mouvement réel du communisme, déjà là et toujours là dans la lutte de classe. Je veux les galons du piano pour y jouer l'éternel présent de la révolution.